Le jambon d'Auvergne IGP est issu d'un art de vivre ancestral. Les cochons étaient élevés en plein air sous les châtaigniers, dont ils mangeaient les fruits. L'hiver venu, les agriculteurs avaient pour habitude de saler la viande pour la conserver pendant de longs mois. Aujourd'hui encore, cette tradition subsiste. Comme autrefois, les jambons frais sont frottés avec du sel et de l'ail pour leur donner cette subtilité et ce raffinement si caractéristiques du jambon d'Auvergne IGP. Comme avant, dans certains lieux, les jambons sont suspendus pour être séchés à l'air libre. Grâce aux conditions atmosphériques très particulières et au climat peu humide, les jambons d'Auvergne IGP peuvent développer des saveurs spécifiques. Après un affinage allant de 8 à 36 mois, ils acquièrent un arôme de noisette, reconnaissable entre tous. En laissant le temps faire son œuvre, les jambons gagneront un goût plus affirmé. Pour protéger cette authenticité, un cahier des charges a été mis en place. Produits d'exception, le jambon, la saucisse sèche, tout comme le saucisson sec, sont désormais protégés par une IGP. Poitrine fumée au bois de châtaignier ou travers salé, le plus dur est de faire son choix entre toutes ces spécialités. Héritiers de ces savoir-faire, petits et grands producteurs se transmettent ces recettes d'antan, dont la qualité n'est plus à prouver.